Et puis après près de 30 jours de jeûne du Ramadan, les musulmans du Gabon, à l'instar de ceux du monde, célèbrent demain la fin de cet événement, occasion pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon de prononcer une allocution. Il est au micro de Frédéric Yenda Moukoula. Le 5 mai dernier, au coucher du soleil, apparaissait au monde musulman et non le croissant lunaire annonçant l'avènement du mois béni de Ramadan de l'an 1440 du calendrier lunaire correspondant à l'an 2019 du calendrier grégorien. Un mois particulier aux multiples rites hautement récompensés. Le rite principal du mois qu'est le jeûne exige de l'Oran la prise obligatoire d'une intention sincère, celle d'observer 29 ou 30 jours de jeûne, frères et sœurs dans la foi. En cette période post-Ramadan, efforçons-nous d'entretenir notre communion avec ces quatre sacralisations. Ne soyons pas à l'image de celle qui défaisait sa quenouille après l'avoir solidement filée. Maintenant, cette ferveur dévotionnelle par l'observation des rites recommandés au-delà du jour de la fête. Pardonnons-nous les uns les autres, consolidons la paix, la tolérance, la cohésion sociale. Bonne fête de Ramadan à tous et que Dieu bénisse le Gabon.